Alright tout le monde, je suis Justin et on se retrouve sur l'épisode final de The Legend of Zelda Link's Awakening. Donc let's go man, on a tous nos instruments, donc c'est parti. L'heure a sonné. Yo. Oh. Hello. Le poisson rêve t'attend. Entre dans l'œuf. Let's go. Œuf sacré. Et voilà. Notre dernier temple. Wait, what? The next day. Ouais, ben finalement, j'ai appris que, ben, ça me spoil. Ben, ça me tentait pas de le faire, mais écoute, ça fait quand même un bon bout de temps que je tourne en rond dans ce stuff-là. Et puis, en fait, on est obligé. Genre, une année, j'ai été à une bibliothèque. Puis on est obligé de lire le livre à la bibliothèque. Et c'est là qu'on va découvrir le passage secret. Genre, où aller, genre, gauche, droite, haut, ces affaires-là. J'ai pas été voir où est-ce que je devais aller, parce que ça me tentait pas de spoil. Parce que je vais le faire par moi-même. Mais il va falloir que je finisse de faire mes trucs de troc, en fait. Qu'est-ce qu'on faisait au début, là? De troquer le bâton, si, ça, ça. En fait, c'est très essentiel. Ça te permet d'obtenir justement l'objet qui va te permettre de lire le livre, qui va te permettre d'arriver à l'œuf. Fait que c'est ça. Fait que j'ai checké ça. J'aime d'apprendre ça. C'est nice. Il n'y a pas un esti de chat qui me dit que c'était essentiel d'avoir une loupe pour lire le livre dans le village. Il n'y a pas personne qui me le dit. Fait que, alright man, c'est des petits secrets de Zelda, man, des fois on rush. Zelda, c'est des jeux des fois qu'on rush un peu quand on connaît pas tous les secrets. C'est des affaires qui arrivent. Puis ce Zelda-là, il était quand même pas pire inconnu pour moi, fait que... Je sais pas trop... Moi, des jeux de Game Boy et tout, là... Non. Mais bon, ok. Donc là, il faudrait que j'aille où? Là, c'est quel item que je peux troquer, là? Oh, la lettre, c'est vrai! Ben, je voulais le faire la dernière fois! Allez là! Mais oui! Je l'ai jamais faite. Genre, j'avais dit ça la dernière fois, genre que ça me tentait d'aller apporter, puis j'ai juste jamais été, pas en tout. Oh merde, je peux pas me téléporter nulle part. Ah, peut-être ici, c'est le plus proche. Let's go! Bon, allez, let's go. Ok. Ça, c'est le facteur. Moi, je pensais que c'était un petit bonus, cette affaire-là. Genre, j'avais complètement oublié que j'étais en train de faire ça, là. Une lettre de Christine, pour moi, c'est formidable. Il y a même une photo. Là, c'est fucking Peach.
Il y a beaucoup de références à Mario dans ce jeu-là, ça n'a pas de sens. Quelle beauté, j'aimerais te remercier. Mais je n'ai que ce balai à t'offrir. Puis ça, c'est la grand-mère qu'elle voulait. Alright. Ben écoute, ça me tente même pas de me casser le bicycle. Je vais me téléporter au village. On va aller donner le balai à grand-mère. Ah, avoir su, pareil, hein. J'espère qu'il m'en reste pas ben longtemps à faire pareil. Je sais pas, ça devrait pas, là. Oh, regarde, c'est Marine. Ah, et puis là, t'es-tu sérieux? Je pense que je sais où ce qu'elle est. Elle est au village animaux. La dernière fois que je l'ai vue, elle était là. Alright. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça, man. Youpi, un balai neuf. Tiens, c'est pour toi. Toi, tu me donnes quoi? Je t'offre cet hameçon. Je l'ai trouvé au bord de la rivière. Avec qui je pourrais troquer l'hameçon? Peut-être avec un pêcheur? Je sais qu'il y avait un pêcheur là-bas. On va aller voir. On va retourner au village. Il est pas là le lac? Je pense qu'il est là le lac. Ouais, c'est un lac ça. On va le voir. Je sais qu'il y a la sirène qui voulait son collier. Ah, ça, c'est une fontaine de fées. Ah, il y a le lac. C'est bon, je l'ai trouvé. Tu m'as parlé à Marine en même temps. Allô? Merci pour ton aide, Jeff. Tu étais génial. Tout à l'heure, j'ai fait part d'un vœu au poisson rêve. Comment tu veux savoir que je lui ai demandé? Eh bien, c'est un secret. Ok. J'ai dit une rivière, mais en fait, c'est plus un étang. Une petite pêche, mon gars? Non, mais j'ai un hameçon. Ok. Attends, là, j'allais. Puis le pire, c'est que j'arrête pas de parler au téléphone. Puis le monsieur, il me dit tout le temps des affaires qui n'ont pas rapport. Il paraît que le pêcheur de l'étang va parfois pêcher sous un pont dans la baie de Martha. Ah, ben, ils viennent de me le dire dans le baie de Martha. Alright. Il était temps que tu me le dises, dude. Il a fallu que tu me dises ça avant la fin du jeu, dude. En dessous du pont, là, on est à la baie. Puis le pont, il est ici. C'est le seul pont que je vois. Fait qu'on va y aller. Ouch. Ok. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? N'est-ce pas un hameçon? Tiens. Ok, ce chien à qui le donner? Ah gros, je savais pas que c'était utile à faire pour vrai, man. Eh ben, on va aller donner ça à Sirène. Oh, la voilà, mon collier!
Donne-le-moi. Je t'offrirai une de mes écailles. N'en prends qu'une seule. Une seule. Ok. Pourquoi qu'elle rougit de même? Elle était pas capable de la donner elle-même, là, si. Ok, là, on a une écaille. Je suis pas sûr à quoi que ça va servir. On raconte qu'il y a une superbe statue de sirène au sud. Il faudrait que j'aille voir de mes propres yeux. Ah, mais il continue à m'aider. J'avais raison. Il faut que j'aille voir la statue. Ok. Comment je sais pour y aller? Oh, je le sais! Je viens de le voir. Laisse-moi tranquille. Ok, donc j'aurai besoin de tout ça. Ah, c'est pas ça que je veux. Gros, j'ai juste traversé de l'autre bord. Bon. Ah, c'était compliqué. Tu as déposé l'écaille qui manquait sur la statue de la sirène. Je crois qu'on l'a. La loupe! Il manquait tellement pas long. Il manquait tellement pas long, man. Quand j'ai fini, là. Ah! Ah! Vous êtes là, mes coliques. Alright, gros, on a fini. On peut y aller. On va aller à la bibliothèque. J'aime vraiment le système de troc, par exemple. C'est vraiment cool. C'est lui ici. Le livre des mystères. Est-ce que tu veux le lire? Oui. Dans l'œuf, on tourne, on tourne, on tourne. Et attends, je vais le prendre en photo. C'est ça, c'est un esti de labyrinthe. Je l'avais bien compris, ça. Alright. J'ai ma photo. Et on y va. Yes, man! Ah, ça a été fucking simple. J'étais sûr que ça allait être fucking long, man. Let's go, je suis revenu. Le hibou m'a pas aidé pantoute, man. Il m'a juste dit... Ah, va-t'en à l'œuf? Je comprends, ouais, mais... J'ai pas lu le livre. Comme... Va-t'en à l'œuf? Le gars, il t'aide, là, mais juste les détails les plus importants, il te le dit pas. Même le vieux me l'a jamais dit, il me l'a dit genre à toute fin. Allez, let's go, on y va. Ça, je pense que je suis obligé de sauter en bas. Ah, c'est clair là, on voit quelque chose. Ok, donc c'est à gauche. En haut. À droite. À droite encore. À droite, et après ça, c'est juste en haut. C'est parti. Nous avons été engendrés par le cauchemar. Pour apporter la stabilité dans le monde clos, dans ce monde clos, qu'est-ce que la... quel rêve. Désolé, il avait vraiment de la difficulté à aller. Nous avons plongé le poisson rêve dans un sommeil sans fin. S'il ne se réveille pas, l'île ne disparaîtra jamais. Et nous en sommes les dieux.
Mais il a fallu que tu viennes contre carrer nos plans. Désolé, c'est pas un mot que j'utilise d'habitude. Tu ne battras jamais. Tu vas périr. On va essayer de le stunt. Marche pas. Ça marche pas. On va essayer avec la poudre. Ah! Ça marche pas. Peut-être avec la boule de feu. Non plus. Ben écoute, je vais rester avec ma poudre. Et ça marche pas. Une bombe? M'étonnerait. Non. J'en ai aucune idée. J'essaie des trucs. Non. Ok, je peux pas refléter ces affaires. Je vais reprendre ma poudre, parce que je sais pas. Ça a marché tantôt. Ah, ok, j'ai compris. Ah, ok, non. J'ai pas compris. J'ai juste fait ça tantôt. Ça n'a pas marché. Ah, ça a plus de l'air à marcher, là. Ça marchait tantôt, là. C'est chien. Bon. Ok, il doit en avoir un autre. Ouch. Ok, ouais. Ah, fuck, il nous manquait. Ça marche pas? Ok, mais là... Il passe à travers. Je peux même pas me bloquer, Ben. Je peux rien faire. Comment je fais pour le péter, man? Bon, ça marche pas, là. Je suis tanné. On va essayer de faire ça. Attends, je vais essayer de voir. Ça marche pas.
Oh, je l'ai eu! Il faut que je fasse un gros crisse de sprint dessus. Là, ça me fait chier, j'ai plus de vie. Oh, fuck. Oh, c'est de même! Ok, c'est bon, je l'ai. J'ai compris. Parce que ça me pogne la vie, par exemple, quand je fais ça. Yes, on l'a! Crève, crève, s'il te plaît. Gros, si je décède là à cause de ça, là, ça me fait fucking chier. Wow, méchant boss. Hey! Qu'est-ce qui me fait chier? C'est mon esti. Hein, j'ai trouvé là. Tantôt j'avais juste plus de cœur, man. Je savais pas trop quoi faire, man. Je paniquais là. En fait, faut essayer tous nos items sur lui. Il se mord? Oh, tabarnak, c'est quoi ça? Oh, ok, je viens de catcher. Ah, il est bien long. Je suis encore décédé, esti. Ok, ça va bien là. Ah, oh, fuck off. J'étais sûr que j'avais toute ma vie encore. Ben, pas toute là, mais... Aïe aïe. Yes! Putain, mon colique, man, il est bien ben long, man. Cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde... Ouais, ouais. Pas tant. Jeff, tu as vaincu Maleficio. À présent, monte les escaliers. Mon garçon? Non. Maître Jeff, tu as anéanti les monstres. Tu as fait preuve de force, de sagesse et de courage, tel un véritable héros. Je suis l'un des esprits du poisson rêve. Mon rôle est de protéger son monde onirique quand il dort. Hélas, un jour, le cauchemar s'insinua dans son rêve menaçant la paix de l'île. Mais toi, Maître Jeff, héros de l'éveil, tu devais notre espoir. J'ai toujours cru en toi. Je savais que tu vaincrais le cauchemar, prouvant que tu abritais en toi le courage. Merci, Maître Jeff. Ma tâche est à présent accomplie. Il me faut réintégrer le poisson rêve. Adieu. Bye bye. Je suis le poisson rêve. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparut. Puis une île l'entoura, des gens, des animaux. Un monde était né.
Mais un rêve a toujours une fin. C'est le destin. Quand je m'éveillerai, Coquelin disparaîtra. Toutefois, le souvenir de cette île perdurera dans nos cœurs en tant que réalité. Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Peut-être est-ce un souvenir qui est le véritable monde onirique? Merci. L'heure est venue, Jeff. Éveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil. Ah, c'est dommage, tout est un rêve. Bye bye. Oh, la belle cinématique de fin, man. C'est tellement beau. Je l'avais jamais vu. Waouh. Waouh. All right, man. Hey. La fin là, d'un Zelda, là, ça me pogne tellement, là, ça n'a pas de sens à quel point que les fins des Zelda sont toutes épiques. Ils sont juste toutes épiques, man. Puis juste le fait de savoir tout ça est un rêve, là, ça c'est fucking triste, ça je le savais. Il n'y a pas de spoil pour moi là-dessus, par exemple. Mais genre, j'avais jamais joué au jeu. Puis quand tu joues à un jeu, c'est différent que de regarder des vidéos. Là, t'es dedans, tu sens l'émotion. J'ai rage, je me suis fâché, j'ai ri, je me suis perdu, je me suis retrouvé. Tu sais, je veux dire, on vit une émotion quand tu joues à un jeu. C'est différent que quand tu regardes une vidéo. Puis là, quand t'arrives à la fin, t'es comme « Yes! » Genre, t'as accompli quelque chose, c'est vraiment cool, man. Sérieux, là, ce remake-là, il est vraiment très bien fait, man. J'aimerais tellement, là, qu'il fasse le remake du premier Zelda, de Link to the Past. A Link to the Past et tout, ça serait écœurant, man. Parce que c'est un grand jeu. Puis A Link to the Past, j'ai déjà joué sur la Super NES, là, je le connais. Ça serait écœurant, man. Mais, hey, j'espère que vous avez apprécié, man. J'adore les séries Zelda, man. C'est mes séries préférées, c'est mes jeux vidéo préférés, man. C'est un univers que j'apprécie vraiment beaucoup, man. J'espère que vous avez apprécié autant que moi, man. On se retrouve sur la prochaine série, sur d'autres jeux Zelda. Ça, c'est sûr et certain. À la prochaine. Ciao.